Standing? Standing. Okay, use this one. Bonsoir à tous, merci. Je voulais d'abord remercier au nom de l'Institut et de vous tous, je pense, la venue de Ozel ici, dans notre petite ville et à l'Institut. Donc, merci beaucoup Ozel de venir. je voulais aussi remercier au nom de l'Institut vous qui êtes tous là, les gens qui sont aussi sur la vidéo. Merci à vous, c'est pour ça que l'Institut existe et merci d'être venu et de prêter attention à tout ce qui se passe ici. Et puis enfin, pareil, je voudrais remercier toujours au nom de l'Institut, mais plus personnellement tous les gens qui ont participé d'une manière ou d'une autre à cette soirée, qui ont organisé tout ce tour de Ozel en Europe et de Indila, et tous les gens qui ont participé à travailler très très dur ces derniers jours pour que votre soirée ici soit agréable et heureuse. Donc voilà, merci encore à tous ceux qui ont contribué à cette soirée. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Ozel. Merci. Thank you, please. Hello, hello. Is this working? Allô, bonjour à tous. Hello. Wow. Hello. Ah, it's magic. Can I lift this up a little bit more, or like this? Est-ce que je peux lever ce micro? Oh, good translator. I'm on fire. Hello, hello, yeah. It should be okay. Perfect. Okay. Can everybody hear me properly? Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Mm. So we. So how many people speak English here? Do they understand English? Combien de personnes parlent anglais ici ou comprennent l'anglais? And how many people comprend rien du tout d'anglais? Well, okay. Okay. So Johnny, if you have a big responsibility, hein? Il paraît que j'ai une grande responsabilité. Okay. D'accord. Alors, merci beaucoup tout le monde aujourd'hui pour venir ici. C'est un honneur pour moi et je suis très gratitude. Non, j'ai beaucoup de gratitude. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est pas beaucoup de français alors. Je parlais pas beaucoup ni je parlais pas bien, mais j'ai essayé de parler un peu pour partager mon accent bizarre. Ok. Now you have to translate to English. I can. Non, c'est une blague. D'accord, ok, so, vous êtes tous des volontaires aujourd'hui, non? Tout le monde? Non? Alors, combien de personnes n'est pas volontaires? Mais vous travaillez ici, non? Un peu? D'activités, aider et tout ça. Voilà, alors tu es volontaire aussi. Il y a des gens qui ont travaillé avant. Ah, avant. Travaillent aujourd'hui. Ah, ok. C'est tout mélangé. Ah, le Nyungne aussi, wow. C'est vrai, c'est vrai. C'est spécial. T'es fan, le Nyungne? Ah, le Nyungne ne peut pas parler. Ah, mais tu peux sans rire, non? Ok, so, I speak English, ok? It's more easy for me. Non, je vais parler anglais, c'est plus facile pour moi. So, thank you so much for inviting me here. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. It's a great honor. C'est un grand honneur. It's a big, 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 big pleasure for me also to be here and to see so many beautiful, amazing, magical people.
Et c'est un vrai, vrai grand plaisir pour moi de venir ici et de voir tant de gens magnifiques, beaux et merveilleux. Yeah. Thank you so much. I really feel humbled to be in your presence. Merci Thank beaucoup. You. Je me sens très humble d'être en votre présence. Okay, so maybe we start with everybody can hear, right? The sound is okay? Tout le monde peut m'entendre, le son est bon. So maybe we can start with maybe motivation. We start with motivation. Ah, donc on va peut-être commencer avec une motivation. Yeah. So I think it's important every day to have good motivation. Je pense que c'est important que chaque jour nous ayons une bonne motivation. I think everybody would agree with me. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. I think motivation is the most important key to having a happy life. Je pense que la motivation est une des clés les plus importantes pour avoir une vie heureuse. When you have the correct motivation, then the result will always be joy and very fulfilling. Si vous avez une motivation correcte, alors le résultat sera toujours la joie et le contentement. Sometimes it can be difficult. Parfois ça peut être difficile. Can be challenging. Ça peut être un challenge. But it's always good. A challenge is always good. It keeps us awake. Mais c'est un bon challenge. En fait, ça nous maintient éveillés. Mm. Comment? Éveillés. Éveillés. Ah. Alerte. C'est une nouvelle parole. Alerte. Éveillés. So you should always challenge yourself to be better than the person you were yesterday. Donc vous devriez toujours vous mettre comme challenge d'être une meilleure personne aujourd'hui qu'hier. Yeah, the challenge is not with other people, it's with yourself. Le challenge n'est pas avec les autres personnes, mais avec vous-même. Yeah, just like the empathy. Comme l'empathie. Like the patience. Comme la patience. Patience, you have to have patience with yourself. Il faut avoir la patience avec soi-même. You cannot blame other people because you lost patience. Vous pouvez pas en vouloir aux autres parce que vous avez perdu la patience. If you take other people's problems and you blame them, then you carry their problem, their mistake. Si vous prenez en compte les problèmes des gens et vous les portez avec vous, et vous les gardez, vous les portez avec vous, vous devez prendre leurs problèmes. Yeah. And I think we have enough problems already. Et en fait, on a déjà suffisamment de problèmes nous-mêmes. But actually, it's not a problem. Mais c'est pas un problème. It's just a challenge. C'est juste un challenge. It's a défi. It's an opportunity. C'est une opportunité. To improve. Sorry. Non. De s'améliorer. C'est une opportunité to improve, to understand samsara. Et de comprendre le samsara. Everybody understands what samsara is, yeah? Tout le monde connaît ce que c'est le samsara, oui? You sure? Vous êtes sûr? Then why are we here still? Alors pourquoi est-ce qu'on est là encore? No, just joking. Non, je rigole. So, So samsara actually is it's a concept. Samsara en fait c'est un concept. It's our grasping mind that is very attached to what we believe is true. C'est un esprit qui est très attaché, qui saisit et qui est très attaché à ce qu'il pense, ce qui est vrai, ce qui est la vérité. We are so attached to our concept of who we are. On est tellement attaché au concept de qui nous sommes. We will always defend it. On le défendra toujours. On se défendra toujours de ça. When there's anything in life that challenges this perception of I. Et donc on le défendra toujours à chaque fois qu'il y aura un défi qui le remettra en cause. So when you become unhappy, when you become disturbed or emotional or conflictive. Quand vous venez pas, quand vous êtes malheureux, quand vous êtes quand vous êtes déprimé, quand or vous angry. Avez des conflits avec vous-même ou en colère. Or like yeah, angry, depressed, conflictive, like that. You know, the negative emotions or thoughts coming. Quand les émotions négatives, les pensées négatives viennent. And you have to check what you are defending. Donc là, il faut regarder qu'est-ce que vous êtes pourquoi vous vous battez, qu'est-ce que vous défendez.
So you're defending a wrong perception of I that does not exist. Vous défendez une mauvaise conception du je qui n'existe pas. And when you're attracted to things, when you feel attraction, et quand vous êtes attiré par des choses, quand vous sentez une certaine attraction, you have to check. Il faut vérifier. Because this is supporting this wrong conception of I. Parce que cela encourage la mauvaise conception du je. So if you don't believe me, search for the I. Donc si vous me croyez pas, alors cherchez vous-même le votre je. If you can show me where it is, si vous pouvez me dire où il est, then we can debate. Alors on peut débattre. To debate is always good, to doubt is always good. Débattre c'est toujours bien, douter c'est toujours bien. To search, chercher. To have doubts is good. Et d'avoir des doutes c'est bien. And sometimes to be lost also is very good. Et parfois d'être complètement perdu c'est aussi bien. You know, Steve Jobs, he used to say. Steve Jobs avait l'habitude de dire. He said, "Stay hungry, stay foolish." Rester affamé et rester fou. 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 Crazy. Stupide. No, foolish. Ouais. Ah yeah. Ouais. Stupid, yeah. Like foolish, like ignorant. Ignorant. Ouais. Why? Because when you know that you know nothing, then you're the most wise person. Parce que si vous savez que vous ne savez rien, alors vous êtes la plus sage des personnes. Yeah, I didn't say this, Socrates said. En fait, c'est Socrate qui a dit ça, or c'est pas moi. Maybe Plato. Mais peut-être who is it? Plato. Do you know who is? Platon. Who said that? Socrates, yeah? Socrate. Okay. So why did he say that? It's because when we think we know, pourquoi then we know nothing. Sorry. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que quand nous pensons que nous savons, en fait, on ne sait rien. Why? Because we close ourselves from learning. Parce qu'on se ferme à l'apprentissage. And wisdom is a process. Et la sagesse est un processus. Yeah. Just like every day we're learning. Tous les jours nous apprenons. Life is a learning process. La vie est un processus d'apprentissage. The day we die, we learn the process of death. Le jour où nous allons mourir, nous apprendrons le processus de la mort. So even the last breath we take, we're still learning. Et donc même la dernière inspiration, à la dernière respiration, c'est aussi un apprentissage. So that's why when we know nothing, then we start to become more wise. Donc quand on sait qu'on ne sait rien, alors on commence à devenir plus sage. When we think we know more than the person next to us, then we become ignorant. Et quand nous pensons que nous savons plus de choses que la personne à côté de nous, alors nous devenons ignorants. We think we know, but we don't even know ourselves. Nous pensons que nous connaissons, mais en fait, nous connaissons pas nous-mêmes. And if you think you know yourself, then you would know how you react in certain circumstances in the future. Donc, parce que si on se connaissait vraiment, si on pensait qu'on se connaissait, on saurait comment réagir, comment on réagirait dans le futur. But we don't. Mais en fait, on ne sait pas. We imagine, we expect, we visualize. We label, we condition, but we don't know. On imagine, on s'attend, on visualise, on se prépare, mais en fait, on ne sait pas. When certain circumstances happen in the future, until they don't happen, we don't know how we are going to react to that. En fait, il y a des circonstances qui arrivent dans le futur, et tant qu'elles ne sont pas arrivées, on ne sait pas comment on va réagir à ces circonstances. So we don't really know ourselves, we are happening. On ne sait pas vraiment ce que nous sommes. En fait, on fait juste que les choses se passent malgré nous. Yeah. We are being. Nous sommes des êtres qui. Happening. So we can't say I am. On peut dire. We can't say. On ne peut pas dire je suis. So we are being. We are happening. Nous sommes en train d'être. Every atom is moving. Every molecule is moving. Chaque atome, chaque molécule bouge. It's all vibration. C'est tout ça, ce sont des vibrations. So the fact that you can hear me is thanks to vibration. Le fait que vous pouvez m'entendre, c'est grâce à des vibrations. Thanks to the fact that everything is changing, we can breathe. Le fait que les choses changent tout le temps, nous pouvons respirer grâce à ça. Our heart is beating. Notre cœur bat. It's expansion, contraction. Expansion, contraction. Like Stephen Hawking, he said, the universe right now it's expanding, the Big Bang.
Like Stephen Hawking, he said, comme maintenant, l'univers, il est en train de s'étendre après le Big Bang. So it's expansion and then it contracts again. En fait, il s'étend et il se contracte encore. Yeah. So, and we just know a little bit about the universe. On sait juste un petit peu de l'univers. And we think we're the center of the universe. Et on pense qu'on est le centre de l'univers. Even each individual, we think we are so important. Et en fait, chaque personne, on pense qu'on est tous, chacun, très important. That's why our suffering becomes so big. C'est pour ça que notre souffrance devient si, si grande. And that's why when we're happy, maybe it's not enough either. Et c'est peut-être pour ça que quand nous sommes heureux, c'est pas assez. But actually, it's temporary suffering. Mais en fait, c'est une souffrance temporaire. And we're looking for temporary happiness to solve the temporary suffering. Et en fait, on cherche pour des plaisirs temporaires, un bonheur temporaire pour dépasser une souffrance temporaire. And we search outside constantly. Et on cherche à l'extérieur constamment. Even in books. Et même dans les livres. Or gurus. Ou dans les gourous. Or I don't know, materialistic, you know. Ou je ne sais pas, une vue matérialistique. Like that. Sometimes it's good. Like for example, music for me inspires me a lot. Parfois c'est bien parce que par exemple pour moi la musique ça m'inspire beaucoup. But you have to understand the also the reality of everything. Mais il faut comprendre la réalité de chaque chose. At least conceptually. Au moins conceptuellement. You know. That everything is temporary. Que toutes les choses sont temporaires. Even though we act like it's permanent. Même si on agit comme si elles étaient permanentes. We act like we're going to be here forever. on se comporte comme si on allait être ici pour l'éternité. For one second, we are here forever. Mais pour une seconde, on est là pour l'éternité. Or maybe for un moment. Pour un moment. Yeah. And it's always the same moment, right? Et c'est toujours le même moment, hein, n'est-ce pas? Is it now? C'est maintenant? Is tomorrow now? Is demain maintenant? Yeah. Was yesterday now? Est-ce que hier était maintenant? So sometimes in the debate they say the past and the future don't exist because everything exists in the present, right? Parfois, en débattant, on dit le passé, le futur n'existe pas parce que il y a seulement maintenant qui existe. But when you reach when you understand better than you, the concept is that all the time is one. It's now. It's here. It's the same, right? En fait, quand vous comprenez mieux, vous arrivez à comprendre que le concept que toutes les choses sont maintenant, c'est un. C'est tout est un. Is this correct, Venerable Chantal? Est-ce que c'est correct, Chantal? Would you agree? Chantal, vous êtes contente? Yes, it's always now. It's always now. So the three times are in one. Donc oui, c'est un. Les trois temps sont un. Yes or no? Sont en un, n'est-ce pas? How would you explain? Comment vous expliquez? I don't know. Je ne sais pas. I don't know. Also. Je ne sais pas non plus. But this is a theory. Mais c'est une théorie. Because yesterday exists today. Parce que hier existe aujourd'hui. And tomorrow comes from today. Et demain vient d'aujourd'hui. But what we have is now. Mais ce que nous avons, c'est maintenant. And we have our mind stream. Et nous avons notre conscience, notre continuum de conscience. So the motivation. La motivation. The thoughts, the mind. Les pensées, l'esprit. The speech. La parole. And this body. Et ce corps. For now. Pour maintenant. So this is what we have. C'est ce qu'on a. These are our tools. Ça, c'est nos outils. Yeah. And everything else is a hologram. Et tout le reste est un hologramme. This is what the neuroscientists, the quantum physics, you know, nuclear physics. C'est ce que les neuroscientistes, les scientifiques ou les scientifiques qui travaillent sur les quantum ou le nucléaire, c'est ce qu'ils disent. So the Westerners, we hold on so strong to the science. Et les Occidentaux, on s'accroche tellement fort à la science. You know, physics, mathematics. Les physiques, les maths. Even music sometimes is mathematics. Et même la musique, ça devient mathématique. Mm. Even also art can be mathematics. Et parfois l'art aussi, ça peut devenir des mathématiques. But we hold so strong to that. Et en fait, on s'accroche tellement à ça. So if the scientists say, then we believe. Et donc, si les scientifiques savent, ils le disent, alors on y croit. So now the scientists are saying. Non, maintenant, c'est ce qu'ils disent. They're saying the universe is a 3D hologram.
Ils disent que c'est, l'univers est un hologramme de trois dimensions. It's an illusion. C'est une illusion. So if the scientists are saying, then donc, maybe Shakyamuni Buddha was right. Donc si, si les scientifiques le disent maintenant, alors peut-être que Shakyamuni Buddha avait raison. So we are right now in very interesting times. Maintenant, you know, nous vivons des temps très intéressants. Where science and the spirituality or religion is coming together. Où la science, la religion, la spiritualité viennent ensemble. The crossroad, they're coming together. Ils viennent, ils se croisent. Joining. So we are very lucky to be here alive today. On est très très chanceux d'être vivants aujourd'hui. At the time of you know, His Holiness the Dalai Lama. Au temps où Sa Sainteté le Dalai Lama vit. Lama Sopa Rinpoche. You know, and many other very very holy gurus. Et beaucoup beaucoup de saints gourous sacrés. And so for us, the fact that we are able to even be here in their presence, to be able to acknowledge their existence and their presence on this planet, is already big deal. Et le fait que nous pouvons nous rendre compte qu'ils existent, de voir qu'ils existent et de c'est, sur cette planète en même temps que nous, c'est déjà vraiment une belle affaire. And to be able to listen to their teachings, you know, and try to understand. Et de, d'être capable de d'écouter leurs enseignements et d'essayer de comprendre. So don't forget to always, you know, update. N'oubliez pas donc de temps en temps de faire des mises à jour. De temps en temps, non. Toujours. Toujours de faire des mises à jour. Sorry. Non, non, please. Because it's not easy, you know, to be alive at the same time of the Buddhas who are actually present today. Ce n'est pas facile, parce que c'est pas facile d'être vivant en même temps que des Bouddhas sont présents. Because before 2600 years ago, when Shakyamuni Buddha was alive. Donc avant, il y a 2600 ans, quand Shakyamuni Buddha était vivant. Just to go to his teachings, sometimes you had to take journeys where you could die on the journey. Very easy, you know, you could get sick. Or you could die. Pour aller à un de ses enseignements, parfois il fallait s'embarquer dans des voyages où on pouvait mourir, où on pouvait tomber malade et mourir. Now also, but it's more difficult. Bien sûr aussi maintenant, mais c'est quand même plus difficile. Before anything can happen, you know, you have to travel maybe 2-3 months. Avant, n'importe quoi pouvait arriver. On devait voyager 2-3 mois. Now you're there in one day. Maintenant, on y est en une journée. No, and everybody they organized so well. Et tout le monde organise les choses tellement bien. So who's behind the organization? Donc qui est derrière l'organisation? So people like you. Donc les gens comme vous. Who really are dedicated to like share this possibility to be able to be present at the teachings of His Holiness the Dalai Lama or Lama Sopa Rinpoche or many other very amazing gurus. Donc qui permettez de partager cette expérience d'être là en présence du Dalai Lama ou d'autres gourous incroyables, de partager, d'être là aux enseignements de ces maîtres incroyables. So without you, it would be very difficult. Donc sans vous, ça serait vraiment difficile. So that is why this is very important for all humanity and sentient beings on this planet, and probably in many universes also. C'est pour ça que c'est très très important pour toute l'humanité, en fait tous les êtres sur cette planète. Toute l'humanité. So this is a little bit like, for example, I wanted to talk about karma yoga. Donc je voulais parler un peu de karma yoga. Yeah, so volunteers, it's thanks to you that all of this is possible. Donc les volontaires, les bénévoles, c'est grâce à vous que tout cela est possible. Without you, very difficult, very difficult. Sans vous, ça serait très très difficile. You know, very difficult to even have a place like this. D'avoir même un endroit comme ici. And the food. D'avoir la nourriture. You know, and the transport. Transport. Even the sound. Et même le son. You know, everything is very very difficult. And tout ça, c'est très difficile. Because the main thing is so the suffering that comes, the main suffering that comes is from ignorance. Parce que en fait, la souffrance principale, la plus grande, la souffrance principale vient de l'ignorance. So how to clear the ignorance is through the information.
Donc, et comment se débarrasser de l'ignorance? C'est grâce à l'information. Through the understanding. Et la compréhension. Like the light. Comme la lumière. So, in order for that to happen, there has to be movement. There has to be some energy. Donc, pour que cela puisse arriver, il faut qu'il y ait de l'énergie. Il faut du mouvement. There has to be the condition, the cause, and the motivation. Il doit y avoir les conditions, les causes et la motivation. So this is the karma yoga that you are creating. Et ça, c'est le karma yoga que vous êtes en train de créer. So just the motivation donc, is the beginning of an amazing result. Donc juste la motivation, c'est le début d'un résultat incroyable. So that's why it's so important every day when you wake up to have very good motivation. C'est pour ça que c'est très important chaque jour quand vous réveillez d'avoir une bonne motivation. So how are you going to help all sentient beings who are ignorant and suffering? Comment est-ce que vous allez aider tous les êtres sensibles qui sont ignorants et qui souffrent? When I say ignorant, I don't say oh, you know, they don't know. Of course, everybody knows. Everybody is practical in their own way. Quand je dis ignorant, je dis pas c'est pas qu'il y a des gens qui savent pas. Non, tout le monde sait, tout le monde connaît des choses dans leur vie. But when I say ignorant, I mean more when we suffer because the suffering comes from ignorance. So, and the biggest suffering is the mind suffering, the suffering that comes from the concept, much stronger than the physical suffering. Et en fait, la plus grande souffrance, c'est la souffrance qui vient de l'ignorance, qui vient de l'esprit. C'est la souffrance est plus grande que la souffrance physique. So if you can change the way you see things, the way you relate to life, then already big suffering is diminished. Donc si vous pouvez changer votre point de vue sur les choses, comment les choses existent, alors à ce moment-là la souffrance diminue. So maybe ignorance is a very harsh word. Donc peut-être ignorance est un peu fort, un peu dur comme mot. But I think a better way to use is help people to be able to adapt in a more positive way to life. En fait, je pense qu'on pourrait le dire d'une autre manière. On pourrait dire peut-être aider les gens à ce qu'ils s'adaptent pour vivre d'une manière plus positive. So if you can actually adapt in a positive way to any circumstance of life, then you will start to become much more happy person, more harmonious, and everybody around you will also be affected by that in a positive way. Donc si vous pouviez trouver un moyen de vous adapter à chaque circonstance de la vie d'une manière plus positive, alors vous deviendrez plus harmonieux. I'm sorry, I lost it. What? You become more harmonious. If you adapt in a more positive way to the circumstances, yes, of life, and you become more harmonious and you affect the people around you. Donc vous venez plus harmonieux et en fait vous aurez un effet aussi sur les gens tout autour de vous. In a more positive way. De manière plus positive. Just by your presence. Juste par votre présence. So that's why we have a big responsibility. C'est pour ça qu'on a une grande responsabilité. Because we are surrounded by people always. Parce qu'on est toujours entouré de gens. And sentient beings. And not only that, but we're responsible for this body which is composed by billions of consciousness, of billions of sentient beings. Et pas seulement ça, on est aussi responsable pour ce corps qui est composé de milliards de consciences. So we have big responsibility. Donc vraiment, on a une grosse responsabilité. So we don't really, we sometimes we think very small and we think, oh, you know, I'm alone, poor me, I'm a victim. Parfois, on pense, oh, je suis seul, pauvre moi, je suis une victime. But actually, you know, it's completely the opposite. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. You're a big, big boss. Vous êtes le grand patron. And you're not alone. Et vous n'êtes pas tout seul. You're surrounded by all kinds of sentient beings. Et en fait, vous êtes entouré par toutes sortes d'êtres sensibles. From many different dimensions. De différentes dimensions. That we cannot see or perceive. Qu'on ne peut pas voir ou percevoir. But they are there, they are present. Ils sont là, ils sont présents. So that's why motivation is very helpful, because when you have a positive, good motivation, then everything falls in place. C'est important, donc la motivation est importante, parce que quand vous avez une bonne motivation, alors tout se met en place. So this is the karma yoga. Donc ça c'est le karma yoga. And why is it called karma yoga?
Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça karma yoga? So we have to talk about karma first. D'abord, il faut parler de karma. Mm. So karma is the result of what we have, what we how we do things. Donc karma est le résultat de ce que l'on a, de ce que l'on fait. Mm. So what do we do? We already talked about this. Donc ce que l'on fait, on en a déjà parlé. So we have the motivation. Donc nous avons la motivation. Yeah. We have our consciousness, our mind. On a notre continuum de pensée, d'esprit, notre esprit, notre parole. And our physical energy or action. Et notre énergie physique, nos actions. And of course, you can say, oh, we have our time, we have our space. On peut dire aussi bien sûr qu'on a le temps et puis aussi l'espace. We have our mind stream, our five senses. On a notre continuum de pensée, nos cinq sens. Anyway, if we debate, I'm sure many more can come up also. En fait, si on débattait, il y aurait plein d'autres choses qui viendraient, j'en suis sûr. But mainly, if we focus on these four aspects of our life. Mais si vraiment on se concentre sur ces quatre aspects de notre vie. Then we can start with the karma. Donc on peut commencer avec le karma. So the karma is the result of this. Donc le karma c'est le résultat de ça. So we, for example. Donc nous par exemple. We relate to everything based on what we already know. Donc on rentre en relation avec les choses à partir de choses qu'on connaît déjà. Mm. But for example, for some people who have amnesia or Alzheimer's. Mm-hmm. Mais pour les gens qui ont de l'amnésie ou qui ont Alzheimer. They don't have this concept of where they come from or what happened before. They relate to everything. As it is. Mais ils n'ont pas ce concept de savoir ce qu'ils connaissaient avant ou d'où ils viennent, donc ils se connectent aux choses de manière comme ça, comme ils arrivent. Or like a baby who's 3 years old, or maybe earlier than 3 years old. Ooh. They don't have this concept of I am, or this is who I am, or I'm coming from somewhere. You know, it just is. Ou alors comme cet enfant de 3 ans au moins qui ne sait pas d'où il vient, qui il était, donc il est juste lui, donc il voit les choses comme elles viennent. So it's good sometimes to do this kind of meditation. C'est bien comme ça de faire cette méditation. And because we believe so strong our thoughts, you know, it's sometimes can be very difficult. Oui, parce qu'en fait on croit vraiment dans nos pensées, ça peut être parfois difficile. But the thoughts they come and go all the time. Mais les pensées elles viennent et partent et tout le temps. So we use the thoughts as a tool. Donc on utilise les pensées comme un outil. Like the electrician uses a screwdriver. Comme un électricien utilise son tournevis. But the electrician is not the screwdriver. Mais l'électricien n'est pas le tournevis. So in that way we use the mind to think about the motivation. Donc comme ça, on utilise l'esprit pour penser à la motivation. Mm. So, which is the motivation? Donc, quelle est la motivation? Step number one. Étape numéro un. Yeah. So, number one, I'm going to adapt positively to any circumstance. Donc, numéro un, première motivation, je vais m'adapter positivement à toutes les circonstances. Yeah. Number two. Numéro deux. I'm going to dedicate my time and my space and my energy. Je vais dédier mon temps, mon esprit, mon espace et mon énergie. Body, speech and mind. Corps, parole et esprit. To benefiting all sentient beings that I come in contact with. À bénéficier les gens avec qui je vais rentrer en contact. Starting with myself. En commençant avec moi-même. Mm. So this is the motivation you should have. Ça, c'est la motivation que vous devriez avoir. Maybe if you can't all the time, at least when you wake up and when you go to sleep. Si vous ne pouvez pas la garder tout le temps, au moins quand vous vous réveillez ou quand vous allez vous endormir. Or maybe in the afternoon a little bit. Peut-être un peu l'après-midi aussi. Or before you eat. Avant de manger. Maybe when you go do pipi. Quand vous allez aux toilettes. When you go do pipi, Lama Zopa Rinpoche, he told me, one good practice is when you go to do pipi, you think, oh, maybe this is the last pipi. Lama Zopa, c'est une bonne pratique, il m'a dit, Lama Zopa. Il m'a dit, quand tu vas faire pipi, tu te dis, peut-être c'est la dernière fois que je vais faire pipi. So you can meditate on impermanence. Ainsi, on peut méditer sur l'impermanence. Then you have stronger motivation. Et après, on a une plus grande motivation. So the karma, we are creating an imprint all the time. Donc le karma, on crée des empreintes tout le temps. With our mind. Avec notre esprit. With our
self-cherishing mind. Avec notre esprit d'autochérissement. We create certain imprints that will result in suffering. On crée des empreintes et ça va résulter dans des souffrances. So this is part of the ignorance we have to get rid of. Et ça, ça fait partie de l'ignorance qu'il faut qu'on se débarrasse. So why do we self-cherish so much? Et pourquoi on se chérit soi-même? You have to check. Tant. Il faut vérifier. What are you defending? Qu'est-ce que vous essayez de défendre? What are you supporting? Qu'est-ce que vous entretenez? Huh? I cannot tell you. Je peux pas vous dire. You have to see for yourself. Il faut chercher vous-même. When you self-cherish, the result is unhappiness. Quand vous chérissez vous-même, le résultat est le malheur, quoi, le mécontentement. When you have the right motivation, then the result is always satisfaction. Quand vous avez joy. Et quand vous avez la bonne motivation, le résultat est toujours la satisfaction. That is the true happiness. Ça c'est le vrai bonheur. That is what everybody is fighting for in this world. Et c'est ce que les gens, c'est ce que tout le monde se bat pour avoir dans ce monde. So what do we really have? You know, this is what we have. We have this, you know, the body, speech and mind, our energy, our space, our time, our motivation. Donc qu'est-ce qu'on a en fait, hein? Qu'est-ce qu'on a vraiment? Et ben c'est ça, c'est notre corps, parole, esprit, l'espace, le temps et l'énergie et notre motivation. Everything comes and go. Tout vient et part, et repart. And everything else we have, people can take away. Tout ce qu'on a, d'autres personnes peuvent le prendre. But what we have inside, our motivation, you know, nobody can take away. Mais ce que nous avons à l'intérieur, notre motivation, personne ne peut le prendre. They are goodwill. Ce sont des bonnes volontés. Our empathy. Empathie. Our patience. Notre patience. Our humility. Notre humilité. Our respect. Notre respect. You know. Our love. Notre amour. Compassion. Notre compassion. All of these very high frequency vibrations and good qualities. Toutes ces fréquences très hautes, toutes ces bonnes qualités. Nobody can take away from us. Personne ne peut nous les prendre. Only we can destroy. Seulement nous on peut les détruire. In one moment. Un seul moment, un seul instant. With some negative emotion or thoughts, actions. Avec une émotion négative, une pensée négative, une action négative. But you can put in the bank if you want. Mais on peut la mettre dans la banque, à la banque si vous voulez. You know, by dedicating. En dédiant. Doing dedications. En faisant une dédicace. Motivation is first, so let's start with motivation. Donc la motivation, c'est la première chose. Donc commençons par la motivation. So the karma, we're creating the karma, the cause. Donc nous créons la cause, nous créons le karma. And the yoga is the action. Et yoga, c'est l'action. There's many different types of yoga. Il y a beaucoup de sortes de yoga. It's like the exercise. C'est comme un exercice. When you breathe. Quand on respire. Breathing is like karma also. Respirer, c'est comme le karma aussi. We're exchanging something with life. On échange quelque chose avec la vie. We're taking something that surrounds us. On prend quelque chose qui nous entoure. Something that we all share. Qu'on partage tous. And we exchange it for life. Et on le change pour la vie. We exchange it for time. On l'échange pour le temps. So a little bit like karma. Un peu comme le karma. So we are constantly breathing into our temple of life. Et donc on respire constamment dans le temple de notre vie. And the magic of our body transforms it into our lifespan. Et la magie de notre corps le transforme dans une durée de vie. So this is a yoga, you know, the happening. Ça c'est le yoga qui se passe. And even if we don't think about it, it's happening also. Just like the heart is pumping and we are breathing. Donc même si on n'y pense pas, ça se passe, le cœur pompe et on respire. And so the yoga, there's yoga of the mind, yoga of the body. Donc il y a le yoga de l'esprit, yoga du corps. Yoga of the action. Le yoga de l'action. Motivation. De la motivation. Karma yoga. Karma yoga. So maybe we do one dedication now. I mean, sorry, motivation. Donc peut-être on va faire une motivation maintenant. Do we have Umse?
just gonna. Okay. You want to do the umze? Sang it down? Okay. You do Tibetan and French version? Okay. Very good. Sogi cheno namra Chanju pardu dani kyab suji Dagi jin sogi be chonangi Jola penji sangi rupa Jo sangi cheno sogi cheno namra Chanju pardu dani kyab suji Dagi jin so gi be su nam ki Dro la pen je sang ge dro ba sho Well, one more time, no? Sang each other? In French? It's already three times? No, we did two in Tibetan. So one more in three? Three in Tibetan? Three in French. Yeah, sorry. Sangye chedang sogi chenam la Chanju pardu dani kyab suji Dagi jin sogi be sonam gi Drola penje sangye druba shong Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Hmm. Very beautiful. Thank you. Très joli, merci. So, you can do body, speech and mind together at the same time, every day, all the time. Vous pouvez faire corps, parole et esprit tous les jours en même temps. You can be saying mantra. Vous pouvez dire des mantras. You can be having so like good thoughts, positive thoughts of helping, motivation. You know. Like for example, when you're cooking. Vous pouvez avoir une motivation avec des pensées positives quand vous cuisinez. Which is an amazing opportunity. Qui est une opportunité incroyable. It's a blessing. C'est une bénédiction. The cooks in communities, they are really. Amazing, you know, it's les cuisiniers dans une communauté, c'est vraiment extraordinaire. Because they are the ones who create the food. Car c'est eux qui créent qui fabriquent la nourriture. We are what we eat. Nous sommes ce que nous mangeons. So thank you so much. Merci beaucoup. For everybody who cooks. Pour tous ceux qui cuisinent. Thanks to you, we are here. Grâce à vous, on est là. Otherwise, we'd all be dead. Sinon, on serait déjà mort. Or maybe very skinny. Oh, très maigre. Hein. Like the Nyungne practitioners. Comme les pratiquants du Nyungne. No, I'm just joking. Non, je rigole. They get to drink the gourmet vegetable soup. En fait, ils ont la chance, ils boivent une soupe, un bouillon de légumes très, très bon. So even the gardener in the community. Very special. Même le jardinier dans une communauté, c'est très très spécial. You know, they work the earth. Ils travaillent la terre. That's where life comes from. C'est là d'où vient la vie. You know, everything we eat. Tout ce que nous mangeons. The energy that comes from there. L'énergie qui vient de ça. Originally comes from the sun. Vient originellement du soleil. So because we can't only live from the prana. Donc parce qu'on ne peut pas vivre que du prana. Even though some people. Claim they can. Et bien que certaines personnes disent qu'ils peuvent. But we have to eat food. Mais il faut que nous mangeons de la nourriture.
But the energy that comes from the food originally comes from the sun. Mais l'énergie qui vient de la nourriture vient originellement du soleil. So the transformation of this energy comes from the earth. Donc la transformation de cette énergie, ça vient de la terre. You know, in the form of vegetables. Dans la forme de légumes. You know, and the meat eaters, the people who eat vegetarians. Et donc les gens qui mangent de la viande, les gens qui mangent les végétariens. So, actually, the energy that comes from the meat originally comes from the plants. Et donc l'énergie qui vient de la viande vient originellement des plantes. So that's why the gardeners, even though you know maybe through permaculture or harvesting the food, maybe they're also just planting the flowers, maybe taking care of the beauty of the land. Donc peut-être les jardiniers, pour des raisons comme la permaculture, choses comme ça, ils peuvent planter simplement des fleurs, faire les choses jolies, rendre les choses jolies, le paysage joli. It's a very auspicious and special for us to be able to behold the beauty. Et pour c'est très quelque chose de très auspicieux et très spécial pour nous de pouvoir nous rendre compte de cette beauté. Because that inspires us. D'admirer cette beauté, c'est ce qui nous inspire. It inspires us inside of ourselves. C'est ce qui nous inspire à l'intérieur de nous-mêmes. Because we can say we reflect what's outside also. On peut dire aussi qu'on reflète ce qu'il y a à l'extérieur. So that's why people who have very messy rooms, be careful. Donc c'est pour ça les gens qui ont des chambres très désordonnées, faites attention. Because the reflection of the room will affect you also. Parce que la réflexion de la chambre va vous affecter aussi. So it's important to have an organized life also sometimes. C'est important d'avoir une vie organisée aussi. Parfois. Not too organized because then you become neurotic. pas trop organisé parce que sinon vous allez devenir neurotique. No, sorry, maybe neurotic is a bad word. Non, c'est pas un bon mot neurotique. But maybe stressed would be the peut-être word. Peut-être stress. Stress, ce serait le mot. I know many people judge. I can feel it. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jugent. Judge every word. Je pense chaque mot que je dis. But that's not my problem. C'est pas mon problème. That's your problem. C'est votre problème. So it's sometimes, you know, it's difficult to understand everything because everybody relates to life in a different way. Parfois, c'est difficile de comprendre les choses parce qu'en fait chacun rentre en relation avec les choses de manière différente. You know, in communities we like to criticize a lot. Dans les communautés, on aime critiquer. Because it makes us forget about our own mistakes. Parce que ça nous permet d'oublier nos propres erreurs. So we like we observe and we point the finger and we like to criticize and take that activity, listen to criticism. Donc on observe, on pointe du doigt et puis on aime en fait même écouter nos propres critiques. Because it makes us forget about our own mistakes. Parce que ça nous fait oublier de nos propres erreurs. But actually, if we want to be critical, we have to be critical about ourselves. Mais si vous voulez être critique, alors il faut être critique avec soi-même. That is our job. Ça c'est notre travail. We have no business to judge other people. On a aucun droit de juger les autres personnes. So in a community, we have to be the true Dharma friends. Dans chaque communauté, il faut qu'on soit tous des amis du Dharma, dans le Dharma. What is the definition of a true friend? Quelle est la définition d'un vrai ami? One of the definitions, at least. Une des définitions. So it's that they criticize you in your face. Ils vous critiquent en face. And they talk good about you behind your back. Et ils parlent bien de vous derrière votre dos. This is one of the definitions of a true friend. Ça c'est la définition une des définitions d'un vrai ami. So you have to start being a true friend to yourself. Donc il faut être un bon ami avec vous-même. Vous devez commencer par ça. When you say bad things about other people, you're hurting yourself actually. Quand vous dites des mauvaises choses à propos des autres, en fait vous faites du mal à vous-même. When you think negative thoughts, you're harming yourself. Quand vous avez des pensées mauvaises, vous faites du mal à vous-même. So it's good to smile always. C'est bien de sourire toujours. It's good even sometimes if you're unhappy. Même si vous n'êtes pas content.
Try to give the best of yourself. Essayez de donner le meilleur de vous-même. If you become a victim, oh no, today I'm very unhappy. Non, ou alors vous venez une victime, vous dites oh, je suis pas content aujourd'hui. Then you bring everybody down. Et en fait, vous attirez tout le monde vers vous en bas. So even if you're unhappy, you can say oh, I'm happy. Même si vous n'êtes pas content, vous dites je suis content. And then your body will believe you. Et en fait, votre corps vous croira. And then your body will create the cause for you to be happy. Et votre corps créera les causes pour que vous soyez happy. If you say I'm sick, I'm happy. Si vous dites je suis malade, then your body will believe you. Et alors le corps va vous croire. So be careful with what you say. Donc faites attention à ce que vous dites. Not only about yourself, but also about others. Mais pas seulement avec vous-même, mais ce que vous dites des autres. Especially in a community. Et surtout dans une communauté. So this is all part of karma yoga. Ça, tout ça, ça fait partie du karma yoga. And then you can also do like when you walk, you can do meditation. Et aussi quand vous marchez, faites la méditation. Every action. Chaque action. Every thought. Chaque pensée. Every moment. Chaque moment. Is a meditation. Est une méditation. Is an opportunity. C'est une opportunité. So when you get stressed. Quand vous êtes stressé. Big opportunity. C'est grande opportunité. When you get angry. Grande occasion. Quand vous êtes en colère. C'est encore une plus grande occasion. When you feel you're losing patience, quand vous sentez que vous allez perdre patience, don't think, oh, the other person's making me lose patience. No. Non, non, pensez pas que oh, mais c'est l'autre personne qui fait que je perds patience. No, it's you who's losing patience with yourself. C'est vous qui perdez patience avec vous-même. So always observe, be very aware. Donc soyez toujours observant, soyez vraiment très alerte. There's a thing called mind stream. Il y a une chose qu'on appelle la conscience. La conscience collective. Yeah. Collective memory. Une mémoire collective. So our thoughts affect everybody. En fait, nos pensées affectent tout le monde. And other people's thoughts affect us also. Et les pensées des autres personnes nous affectent aussi. So don't take your thoughts so seriously. Donc ne prenez pas vos pensées si sérieusement. Especially if they're negative. Surtout si elles sont négatives. You have to overvalue positiveness. Il faut surévaluer le positivisme. Because what we do normally, we have this bad habit. Parce que ce qu'on fait normalement, on a cette mauvaise habitude. We overvalue negativity a lot. On surestime la négativité. Yeah, we remember, beaucoup, we keep, beaucoup. On se souvient, on le garde. Yeah, we give importance. On donne de l'importance. Yeah, too much importance. Trop d'importance. Way too much importance. Beaucoup, beaucoup trop d'importance. Yeah. If we don't give so much importance to negativity, si on ne donne pas autant d'importance aux négativités, and we overvalue positiveness much more, et on surestime la positivité beaucoup plus, then everything becomes positive. Alors tout devient positif. You know? Vous savez. And then everything becomes positive. Et tout devient positif. So it's how we relate. Et ça, c'est comment on entre en relation. How we choose to see things. Et comment on choisit de voir les choses. How we adapt. Comment on s'adapte. So that's the first step of karma yoga. Ça, c'est la première étape du karma yoga. So that's why in a community, it's also apart from the amazing job that you're doing, participating. C'est pour ça que dans une communauté, en plus du travail incroyable, vraiment formidable que vous faites, auquel vous participez, and sharing. En partageant. Because without sharing, life is meaningless. Parce que sans partage, la vie n'a pas de sens. Even the wealthiest people, you know, what they value the most is time and company. Et même les gens les plus riches, ceux qui portent le plus de valeur pour eux, c'est le temps et la bonne compagnie. And even the richest people, they don't know what they want. Et même les gens les plus riches, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. It's changing all the time. Ça change tout le temps. You know? But at least we know what we want. Ah, au moins, nous, on sait ce qu'on veut. We want to benefit others. Nous, on veut être bénéfice aux autres. That's why we're here. C'est pour ça qu'on est ici. It's the only reason we're here. C'est la seule raison pour laquelle on est ici. And all the Buddhas that we see here, et tous les Bouddhas qu'on voit ici, they all represent our good qualities, inner good qualities.
et ils représentent tous nos bonnes qualités, nos qualités internes. And they represent our potential. Ils représentent notre potentiel. So we have a lot of work to do. Alors qu'on a vraiment beaucoup de travail. But we work together. Mais l'on fait ensemble. But starting from ourselves. Mais en commençant avec nous-mêmes. Not self-cherishing. Pas d'auto-cherissement. But also we have to be a little bit selfish. Et donc il faut être aussi un petit peu égoïste. But a wise selfishness. Mais d'un égoïsme sage. So that's why this one saying, it says, be proud for you are. C'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit, soyez fier de ce que vous êtes. So this concept of, oh, poor me, I'm suffering so much, I'm a victim. Oh, this one? No. Ce concept de, oh, pauvre de moi, je suis une victime. Oh, non, 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 non. This, we're just carrying a weight that doesn't belong to us. En fait, on porte un paquet, un poids qui ne nous appartient pas. There's lessons in life that help us to understand and improve. Il y a juste des leçons dans la vie qui nous permettent de comprendre et de nous améliorer. But it's a lesson. Mais c'est une leçon. It's not a backpack. C'est pas un sac à dos. Un gros sac, non. 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 Okay? Non. So be proud for you are. You exist. You are beautiful. You are amazing. Donc soyez fiers de qui vous êtes. Vous êtes magnifique. Vous êtes incroyable. You're proud for you are. Soyez fiers de qui vous êtes. But, mais, be humble for you belong. For you belong. Be humble because you belong. Donc, mais soyez humble parce que vous appartenez à quelque chose. You belong to something much bigger than you. Parce que vous appartenez à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. We're like a dust. Vous êtes comme une poussière. Dust in the universe. Une poussière dans l'univers. Yeah. But we think we're so important. Et on pense qu'on est si important. When we suffer so much. Et quand on souffre tellement. So we really have to start to, you know, understand which are our values. Il faut vraiment commencer à comprendre quelles sont nos valeurs. Yeah. Which are the real values? Quelles sont nos vraies valeurs? The true values. Les vraies valeurs. The important values. Les valeurs importantes. The values that count. Les valeurs qui comptent. The values that nobody can steal from you. Les valeurs que personne ne peut prendre d'eux. The values you can take to the next life. Les valeurs que vous pourrez prendre dans votre prochaine vie. The values that when you share, they multiply. Et les valeurs que quand vous les partagez, elles se multiplient. And they become bigger and bigger and bigger every et qui time. Deviennent de plus en plus grandes. So we are creatures of habit. On est des créatures d'habitude. So it's important to create good habits starting from now. Donc c'est important de créer de bonnes habitudes à partir de maintenant. I mean, I know all of you are amazing, you know. Non, mais practitioners. Je sais que vous êtes des pratiquants incroyables. But it's good to remind all the time. Mais c'est bien de rappeler ça tout le temps. So, we are in a community and we have the opportunity to share. Nous sommes dans une communauté et nous avons l'occasion de partager. The greatest beauty in life is sharing. La plus grande beauté dans la vie, c'est de partager. Sharing is living. Partager la vie. Sharing is loving. Partager l'amour. We share the air. On partage notre air. We share the karma. Le karma. No. We share life. Nous partageons la vie. We share the beauty. Nous partageons la beauté. We share everything. We share the planet, the light. On partage tout, la planète, la lumière. So it's very beautiful and we have to be aware. C'est magnifique, c'est très beau et il faut qu'on soit conscient. So keep up the good karma yoga. Donc continuez à faire du bon karma yoga. Thank you to all of you. Merci. People are benefiting and will benefit for thousands of years. Merci à vous qui apportez du bénéfice, qui aidez, qui continueront à aider pendant des milliers d'années. Don't stop. Ne vous arrêtez pas. Not even after you die. Même après vous soyez mort. So, is there any subject you would like me to talk about today? Y a-t-il un sujet sur lequel vous voudriez que je parle aujourd'hui? Please, what? Oui, il y a un sujet que j'aimerais vous entendre aborder, c'est
sur ce qui se passe en ce moment dans nos pays, cette espèce d'accélération de la violence, de la, des crises, des réfugiés. De... J'ai un ami qui est revenu de Paris il y a une semaine et il était avec son fils et il n'arrivait pas à lui expliquer pourquoi les gens dormaient dehors, et des enfants et des vieillards. Et voilà, j'aimerais que vous ayez des paroles sages à me donner. Parce que moi, personnellement, ça me fait souffrir et je ne sais plus quoi en faire. Merci. I would like you to say a few words about the situation in the world right now, all the violence and all what's happening in different countries. I just come back, a friend of mine just came back from Paris and he couldn't explain to his son why people were sleeping outside, young people, old people. Could you say please a few wise words so I can do something with this that makes me suffer and I don't know what to do with? So I think the first step is to understand the nature of humanity. Donc la première étape, c'est de comprendre la nature de l'humanité. The nature of humans. La nature des humains. I don't know if it's the nature actually. Je but it seems like it. Je sais pas si c'est la nature en fait, mais ça ressemble à ça. Because our true nature is very pure of empathy and love and affection and kindness, you know. Parce que notre vraie nature est simplement de l'empathie, de l'amour, de la gentillesse. But somehow it has like been corrupted. Mais d'une manière ou d'une autre, ça a été corrompu. By very low frequency vibrations. Par des vibrations avec de basse fréquence. Like greed and attachment and fear and anger. Comme l'avarice, l'attachement, la peur, la colère. And jealousy, etc., etc. La jalousie, etc. Hate, blah blah blah. La haine. So. But these frequencies are very low frequencies. Et ces fréquences, elles sont très basses. Mm. They can never succeed. Elles peuvent pas succéder, elles peuvent pas réussir. Maybe temporarily, that is the appearance they give. Ça, temporairement, peut-être, c'est l'apparence qu'elles donnent. Short-term appearance. Mais c'est du court terme, c'est une apparence de court terme. But the higher frequencies. Mais les fréquences plus hautes, les vibrations plus hautes. They are everlasting. Et elles durent toujours. They're very powerful. That is our nature, our true nature. Elles sont très puissantes et ça c'est notre nature. That is a clear light. Ça c'est la lumière, la claire lumière. Yeah. So we have now the planet is like a school. En fait la planète c'est comme une école. It's like a great library. C'est comme une grande bibliothèque. Of learning. Pour d'apprentissage. Yeah. Pour apprendre. So we are all here. It's like a test almost sometimes. On est tous là en fait, c'est comme un test parfois. Un examen. So basically many people are failing the test. En fait, en gros, il y a beaucoup de gens qui ont raté l'examen. But also because they don't have the information to understand the true nature of our mind. Et en fait, parce qu'ils n'ont pas eu l'information qui permet de comprendre la vraie nature de leur esprit. So they're searching for the same happiness. Donc ils cherchent le même bonheur. Mm-hmm. By looking for temporary happiness. En cherchant un bonheur temporaire. Based on a material point of view. Fondé sur un point de vue matérialistique. Which is wealth, power, information, influence. Ce qui est la richesse, la puissance, l'information et l'influence. Power. Power, puissance. Wealth. Wealth. Influence. Richesse. Influence. Influence. Information. Information. Yeah, four. Four. So those are the main causes for this type of situation. Ça, ce sont les causes principales pour ce type de situation. But this is temporary, impermanent, materialistic. C'est simple, c'est temporaire et matérialistique. So when we were cavemen, we would fight for the dry piece of wood. Quand on était des hommes des cavernes, on se battait pour un morceau de bois sec. We would fight for the fire. On se battait pour du feu. For the less humid cave. Pour la grotte qui était moins humide. For the most fresh piece of meat. Pour le morceau de viande qui était le plus frais. For the best hunting grounds. Le meilleur terrain de chasse. For the most beautiful woman. Les plus belles femmes. And etc., etc. Etc., etc. Now, today, what are we fighting for? Non, aujourd'hui, pourquoi on se bat? So, for example, fossil fuel.
pour les énergies fossiles. Fossil fuel, what does it represent? It represents death. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la mort. It's actually, literally, it is death, kind of. En fait, on peut dire littéralement, c'est la mort. C'est... It's dead animals and dead vegetation which has been buried underground for millions of years. C'est des animaux morts, des végétations mortes qui ont été enfouies dans le sol pendant des millions d'années. So we harm the earth by using all these really horrible methods like was it fracking? Fracking, yeah. Mm. Fracking or like making these petrolifics in the ocean. You know, oil spills. Donc on abîme la terre en utilisant ces méthodes pour extraire ces fossiles avec les méthodes de fraction, les plateformes dans l'océan, etc. And then we burn this energy. Et donc on brûle cette énergie. And we create asthma in our children. On crée de l'asthme pour nos enfants. And we make very difficult situations for the animals. Et on rend les conditions pour les animaux très difficiles. And basically we're destroying humanity. Et en gros, on détruit l'humanité. Don't worry about Earth. Non, ne vous inquiétez pas de la Terre. Earth has been here for many millions of years. It will continue here for many millions of years. La Terre est là depuis plusieurs millions d'années et elle continuera pendant plusieurs millions d'années. The Earth only has to sneeze and then humanity will be wiped out. La Terre a juste besoin d'éternuer et l'humanité disparaîtra. Or maybe like a fever or something like that. Comme the Earth gets a fever and then we all die. Ah, si la Terre attrape la fièvre, alors on meurt tous. So it's not about saying, oh, poor Earth. Of course, Earth is suffering. Donc, il ne faut pas dire pauvre Terre. Oui, bien sûr, la Terre souffre. Earth is conscious. La Terre est une conscience. She has a consciousness. Elle a une conscience. Just like the sun and the galaxy and the universe. Comme le soleil et les galaxies, l'univers. Just like the amoeba in our stomach. Comme les amibes dans notre estomac. Single-celled animals in our body. Ce sont des animaux d'une seule cellule dans They're notre corps. Conscious. Ils ont des consciences. And in our body also there's wars happening. Dans notre corps, il y a aussi des guerres qui se passent. If you look at the white blood cells, how they function under microscope. Si vous regardez comment les globules blancs se comportent sous un microscope. They're like big blobs like this, and then you can see the bacteria. He's trying to run away. Vous voyez, ça fait des gros blobs et en fait, on voit que les bactéries elles essaient de s'échapper. And the white blood cell is chasing it. Et les globules blancs essaient de les chasser. And then it absorbs. Et elles les absorbent. Into its body. À l'intérieur de leur propre corps et les transforme. So basically, it's metaphoric, you know. En gros, c'est métaphorique. So the higher frequencies is like the white blood cell. Et les plus grandes fréquences sont comme les globules blancs. Je ne vais pas y arriver. And the bacteria is like the very low frequency vibrations. Et les bactéries, c'est comme les vibrations de très basse fréquence. So basically, the higher frequencies will absorb and transform. Et les hautes fréquences, ils vont absorber et transformer. But it's a process. Mais c'est un processus. So, just like it's been happening since the beginning of humans. It's comme ça arrive depuis le début de l'humanité. You know, it's a process where some humans, you know, they have certain habits. C'est un processus dans lequel certains humains ont certaines habitudes. So these humans, they de-evolve. En fait, ces humains, ils dévoluent. And make the situation more difficult for themselves every time. Ils rendent leur situation de plus en plus difficile pour eux-mêmes. And then there's other sentient beings who are purifying. Et il y a d'autres êtres sensibles qui purifient. And then there's other sentient beings who are evolving. Et il y a des êtres sensibles qui évoluent. But we are all part of the same thing. We're all doing this together, just different amounts. Mais en fait, on est tous ensemble, mais on est simplement à différents niveaux. So because we are creatures of habit. Et parce que nous sommes des créatures d'habitude. The more we do something, the easier it is to do. Le plus nous faisons les choses, le plus facile c'est on les fait. And the more we enjoy doing it. Et le plus on aime les faire. Whether it's positive or it's negative. Que ça soit positif ou négatif. So, yeah, don't despair.
Donc ne désespérez pas. Because this has been happening since the beginning of time. Parce qu'en fait, ça arrive depuis le début de l'humanité. It's a process of learning. C'est un processus. And yes, it's very difficult. It's very, very difficult. C'est un processus d'apprentissage et oui, c'est très difficile. It's not easy for anybody. C'est facile pour personne. C'est pas facile. Oui, ou oh, ce n'est pas facile pour. C'est facile pour personne. Mais ça ne. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Pardon. Attends, tu sais, c'est facile pour tout le monde. Non. Bah, c'est très facile pour tout le monde aussi. Hein. It's just the point of view. So yeah, and the other difference also is that before we didn't have so much information. Et aussi la différence, c'est qu'avant on n'avait pas autant d'informations. Now with internet. Now internet. It appears like there's so much more negativity, so many bad things are happening. Il y a l'apparence qu'il y a beaucoup plus de négativité, beaucoup plus de choses mauvaises qui se passent. But now we are actually coming into the golden era. Mais en fait, maintenant, on arrive à l'ère dorée, d'or. If you think about the medieval times. Pensez aux temps médiévaux. Ah, so scary. Ça fait peur, hein. Just at that time, maybe we didn't have so much information. Mais peut-être à cette époque, on n'avait pas autant d'informations. So we were not aware of everything that's happening. On ne savait pas, on n'était pas au courant de tout ce qui se passait. But right now, because of internet, we are more aware. There's more information. Donc maintenant, avec internet, on est beaucoup plus conscient. On a beaucoup plus d'informations. So it looks like more bad things are happening. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses mauvaises qui se passent. You know, but actually. It's actually I feel it's improving because the consciousness is elevating, the human collective memory consciousness is really elevating a lot. Mais je pense que ça, les choses s'améliorent parce que je pense que la conscience collective s'élève beaucoup. Je le sens. It's elevating. It's influencing all of humanity. Et en fait, ça influence toute l'humanité. So yes, I understand there's a very difficult situations today because of this greed, you know, this power struggle, you know. Je pense qu'effectivement, oui, c'est une situation très difficile à vivre aujourd'hui à cause de cette avarice, à cause de cette lutte de pouvoir. But like Jimi Hendrix, when he's, you know, one time he said. Mais vous savez, comme Jimi Hendrix a dit un jour. He said, when the love of power. No, when the power of love, quand la puissance de l'amour overcomes the love of power, dépassera l'amour du pouvoir, then the world will know peace. Donc le monde connaîtra la paix. Donc je vais recommencer. Quand le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, alors le monde connaîtra la paix. So when the love of power overcomes. No. when the power of love. When the power of love overcomes the love for power, then the world will know peace. Le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir. Pour le pouvoir, alors l'amour, il y aura la paix dans le monde. Quelque chose comme ça. So that's why we have to start individually. C'est pour ça qu'il faut commencer. Individuellement. You know, by really, you know, transforming our minds and harvesting and planting the seed for the positive. Par transforming our minds. Par transformer notre esprit et planter des graines de choses positives. You know, and understanding the science of the mind. Comprendre la science de l'esprit. The nature of the clear light. La nature de la claire lumière. And the impermanence. Et de l'impermanence. So, and the reality of existence. Et la réalité de l'existence. How everything that we experience. Comment tout ce que nous expérimentons. Is an interpretation. Est une interprétation. Through the five senses. À travers les cinq sens. Through the main mind that interprets the five senses. À travers l'esprit. Principal qui interprète qui en rapport avec les cinq sens. Based on the relation, on how we relate to this understanding. Basé sur comment on entre en relation avec cette compréhension. Based on the conditioning of also the society.
fondée sur la compréhension de la société. Conditionnement de la société, excusez-moi. So many factors, many different factors are always involved in our perception of reality. Beaucoup, beaucoup de facteurs sont vraiment impliqués dans la perception de la réalité. So it's good to observe and understand that what we feel is one way, actually is many ways. C'est bien de comprendre que ce qui est en fait une manière est en fait plusieurs manières. So don't suffer because of, you know, the pain and the difficulties that you see. Ne souffre pas à cause des souffrances que tu vois, de la douleur que tu vois. There's one type of suffering is called compassionate suffering. Il y a une sorte de souffrance qu'on appelle la souffrance compatissante. It's like bodhicitta, you know? C'est comme la bodhicitta. But this is different type of suffering. Mais c'est une autre type de souffrance. So it's good to practice like that. C'est bien de pratiquer comme ça. But don't get heavy. Mais ne deviens pas lourd. Je sais pas comment dire. Do you understand? Yeah. It's not so bad as you think. C'est pas aussi grave que tu penses. But it's also bad. Pas aussi mauvais. But we have to start with ourselves. Mais il faut commencer par nous-mêmes. It's good to worry about others, but we also have to worry about ourselves. Et c'est bien de s'inquiéter des autres, mais il faut aussi s'inquiéter de nous-mêmes. And yes, people sleeping on the street, it's true. Et c'est vrai, les gens qui dorment dans la rue, c'est vrai. But if you think about it, you know, people who have everything, who have enough money to live everything. Mais en fait, si tu penses à ça, en fait, tous les gens qui ont tout ce qu'il faut pour vivre, you know, to get the new iPhone, qui vont avoir le dernier iPhone, you know, they sleep on the street 2-3 nights. They will sleep. They sleep. En fait, ah oui, en fait, les gens qui vont pour avoir le nouvel iPhone, ils vont aller dormir dans la rue 2-3 nuits pour faire la queue. They choose to sleep on the street for 2-3 nights to be the first one to get the new iPhone. Ils choisissent délibérément d'aller dormir dans la rue pendant 2-3 jours pour avoir le dernier iPhone. And I know many people who choose to live on the street. Et je connais beaucoup de gens qui ont choisi de vivre dans la rue. For the experience. Pour l'expérience. And there's many people who choose to live like that also as a way of like a renunciation, but also as a strike. You know, what do you call that? What? To protest? Like, to protest? Protest, like a, yeah. Like a way of protest. Il y a des gens aussi qui font ça pour qui dorment dans la rue pour protester. And I know people that actually do it because they enjoy it. Et je connais des gens qui le font parce qu'ils aiment ça. I have many friends who live on the street and they love it. Et j'ai beaucoup d'amis qui vivent dans la rue et qui aiment bien. That's their way of life, you know. They want to live like that. C'est leur manière de vivre. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vivre comme ça. Even the government offers them a place to stay like that. They don't want to accept. Même s'il y a un bureau gouvernemental qui leur donne quelque chose pour un endroit pour dormir, passer la nuit, ils veulent pas. And of course, right now we have, for example, the situation from Syria. Bien sûr, aujourd'hui on a la situation en Syrie. Very, 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 very difficult situation for those people. C'est vraiment très, très difficile. They're very, very special people. Et ce sont des gens vraiment très spéciaux. You know, very special. When you look in their face, you can see yourself. Quand vous les regardez, vous you know, pouvez vous voir vous-même. It's almost a little bit like the origin of humanity, you know. C'est comme si c'était un peu l'origine de l'humanité. That area, that land, also, you know, it reflects the beginning of humanity. Cette terre, cet endroit, en fait, ça reflète aussi le début de l'humanité. When they followed the DNA, the chromosomes, they followed. Quand ils ont retracé l'ADN, les chromosomes. Yeah, so it goes back all the way to that origin, to that place, to that land. En fait, ça remonte à cet endroit, cette terre. And originally, it comes back all the way to Ethiopia. Et en fait, originellement, ça revient tout à l'Éthiopie. So we are all a result of the migration of human beings. Et en fait, on est tous le résultat d'une migration d'êtres humains. So also this has been the process in the history of humans. Et en fait, ça a aussi été le processus dans la vie dans la vie de l'humanité. So it's been happening. C'est déjà arrivé. And the wars, for example, have also been happening. Et les guerres aussi ont aussi toujours existé. And actually, war is the most profitable business in the planet. En fait, la guerre c'est le business le plus profitable sur la terre.
So every bullet they shoot, someone is making money. À chaque balle tirée, il y a quelqu'un qui se fait de l'argent. So everything is a business today, you know. Tout est un business maintenant. But what the people, you know, who are profiting from this business. Mais les gens qui profitent entre parenthèses de ce d'entreprise, de ce business. Is that by harming people, they cannot find joy. Pas en faisant du mal aux autres, ils peuvent pas trouver de la joie. Only by benefiting and helping. On peut seulement en aidant et en bénéfice aux autres. So by elevating our frequency and our vibration through meditation and karma yoga. Donc en élevant notre fréquence, notre bonne fréquence à travers la méditation et le karma yoga. So we can start affecting these people to understand where the true joy comes from. On peut commencer à affecter les gens pour qu'ils comprennent d'où vient la vraie joie. So that is when we start to have true leaders. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on aura des vrais leaders. So when the leaders are like His Holiness the Dalai Lama. Donc quand les leaders sont comme Sa Sainteté le Dalai Lama. So then that is when really we will be able to really start to elevate. So we have to pray for that. Donc quand on aura des leaders comme ça, alors là les choses vraiment vont s'élever et il faut qu'on prie pour ça. So hope is a beautiful thing. Donc l'espoir est une vraiment chose magnifique. And always keep hope close to you. Et gardez l'espoir vraiment proche de vous. Because hope is something that is one of the beautiful things that humans possess. C'est une des choses les plus formidables que les humains possèdent. Yeah. Anyway, so I think did I answer your question? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Yeah. Okay. Any more subjects you would like to D'autres choses? Talk about? D'autres sujets? Something else? I wonder whether you see any relationship between Buddhism and psychotherapy. Psychotherapy. What is psychotherapy? Je voudrais poser la question. You have an hour. Maybe you can make small explanation. Sorry, wait, you should translate first. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur le parallèle ou la relation entre le bouddhisme et la psychothérapie et Ozel a demandé qu'est-ce que la psychothérapie et elle a demandé est-ce que vous avez une heure et il a dit mais fais le plus court. Make résumé. Psychotherapy is basically helping people to see through, I suppose the way I would say, see through the myths that imprison them and stop them from being. That's my view of it. Okay, I understand. And caught up in the past. Okay. So the past is in the present, then it. Makes them suffer. Okay. So what is your question exactly? Do you see any relation, or what do you see as a relationship, or do you see a relationship between Buddhism and psychotherapy? Oh. Okay. Donc I'm gonna translate. Relation, all the relation. Toutes les relations. Tu veux savoir toutes les relations. I think you already answered yourself. En fait, tu as déjà répondu. Donc, elle avait vu, elle disait que la psychothérapie, c'est ce qui permettait de voir à travers nos propres mythes qui nous gardent ancrés dans le passé et qui nous font souffrir. C'est ça ? Et d'essayer d'aider les gens à voir ces choses. Ouais. I think, actually, you know, it's different methods, you know, but the ultimate goal is the same. Je pense que c'est une méthode différente, mais le but ultime est le même. Because actually, everybody is different. En fait, chaque personne est différente. So for different people, different things work. Donc pour certaines personnes, certaines choses marchent. And for certain different people, we relate to different things. Et certaines personnes se préfèrent faire d'autres choses. And You're speaking French with an English accent. No, that's not possible. And then every individual is attracted to different things also, differently. Donc chaque personne est attirée par des choses différentes. So we, for example, for us, some people relate to suffering in a different way. En fait, les gens parfois se réagissent à la souffrance d'une manière différente. And we relate to, you know, pleasure in a different way. Réagissent au plaisir d'une manière différente. You know, for a masochist, whipping is very pleasurable.
par certains se flageller donne beaucoup de plaisir. Flageller. And for other people listening to heavy metal can be suffering. Et pour certains, écouter du hard rock c'est de la souffrance. You know, so it's strange, no? The masochist flageller is pleasure. C'est bizarre hein, quand même, hein. Se flageller, c'est du plaisir. For other people, heavy metal is suffering. Et pour d'autres, le hard rock, c'est de la souffrance. It's like, oh, headache. Ça me donne mal à la tête. But if you switch around, there's people who suffer from flagelling. Et si vous invertissez, il y a des gens qui souffrent de la flagellation. And there's other people who take pleasure listening to heavy metal. Et il y a des gens qui ont du plaisir à écouter du hard rock. So, it's a very relative. C'est vraiment très relatif. It's how we relate to what we interpret. C'est comment on réagit, comment on interprète. But ultimately, we're all going to the same place. Mais en fait, à la fin, on va toujours au même endroit. Which is inside. Ce qui est en nous. So the information that light helps us to understand our true nature. Information that. The information and the light. The light. In the light is information, right? Okay. Donc l'information la lumière nous aide à aller en nous. We're going to the same place, which is within us. Nous allons au même endroit en nous. Yeah. We're not going outside to the moon or anything. On va pas à l'extérieur sur la lune. And we're trying to get out of the forest. On essaie simplement de sortir de la forêt. Even if the light of the sun or the moon helps us to find our way out more easily. We're trying to get out of this forest, get out of samsara. Donc même si avec la lumière de la lune ou du soleil, ça nous aide à trouver notre chemin plus facilement, on essaie de sortir de cette forêt, de sortir de samsara. So how you get out of that forest is up to you. Donc la manière dont vous allez sortir de cette forêt, ça dépend de vous. It depends on how you interpret the light that helps you to see better. Ça vient de la manière dont vous allez interpréter la lumière qui vous aide à mieux voir. But it's you who has to walk your own path. Mais c'est vous qui devez marcher votre propre chemin. And it's you who has to find your own truth. Et c'est vous qui devez trouver votre propre vérité. And nobody can come to you and say, "Oh, here, take the truth. I found it. Here, take it." Personne peut venir et dire, "Tiens, regarde, prends la vérité, je l'ai trouvée, prends-la." Even if they hit you on the head with the truth. Même si vous tape sur la tête avec la vérité. You know, or make it like a milkshake, and then you drink. Même faire un milkshake avec la vérité et le boire. It's still not possible. C'est impossible. You have to experience it by yourself. Il faut l'expérimenter par vous-même. So don't get lost on the way. Donc vous perdez pas sur le chemin. You know, it's just different methods for different people. C'est différentes méthodes pour différentes personnes. But the ultimate goal is the same. Mais le but ultime est le même. It's using the wisdom and the method together. C'est d'utiliser la sagesse et la méthode. So the wisdom and the compassion. La sagesse et la compassion ensemble. Yeah, together. Ensemble. You know, through karma yoga. À travers le karma yoga. grâce au karma yoga. But I think as long as you feel you're receiving benefit or you're helping other people, then it's good. Donc tant que vous pensez que vous recevez des bénéfices et que vous aidez les autres, alors c'est bon. So the relation between maybe psychotherapy and Buddhism would be benefiting people. Peut-être la relation entre le bouddhisme et la psychothérapie, ça serait d'aider les autres. To understand the true nature, the true potential. Et de comprendre la vraie nature, le vrai potentiel. That we're beings of infinite potential. Nous sommes des êtres avec un potentiel infini. Okay, so we do one more subject. Un dernier sujet. Last one. Okay. Two. Okay, two more. Donc deux autres. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot sur la bénédiction et l'évocation du lama, enfin la bénédiction du lama. Can you say a few words about blessings coming from the lama? And he said something. Évoquer le lama et la you bénédiction du calling the lama. I have a question for you. What do you mean by lama? Qu'est-ce que tu veux dire par lama? Le lien que l'on a avec notre maître. But do you know who the true lama is? Est-ce que tu connais qui est le vrai lama? Moi, le lama, alors, c'est mon personnellement. Hein. Le lama, c'est celui qui me donne. Yourself. Oui. You are your true guru. Vous êtes ton propre guru.
Tu es ton propre gourou. Tu comprends ça? Tu comprends ça? C'est bien, je fais rire tout le monde. Translation. Il n'y a que machine, non? Not machine. So, for example, you know, if somebody is teaching you, si quelqu'un t'enseigne, and they try to give you the information, and they try really hard to give you the information. Et ils essaient très très, ils essaient vraiment durement de te donner l'information. But you don't want to learn. Mais si tu veux pas apprendre, then it's like hitting your head on a wall. C'est comme te taper la tête contre un mur. You know. It's not like you're going to learn something. C'est pas comme si tu vas aller apprendre comme ça. You can't understand. C'est pas comme si tu allais apprendre quelque chose comme ça, tu vas pas comprendre. So you are the one who chooses to learn. C'est toi qui choisis d'apprendre. You are the one who desires to learn. C'est toi qui as le désir d'apprendre. Who has that motivation. Qui a la motivation. And ultimately you are the one who understand and have the experience. Et à la fin, c'est toi qui a ultimement qui a la qui a l'expérience. So that is why you are your true guru. C'est pour ça que tu es ton propre gourou. Le vrai gourou, ton vrai gourou. The root guru and the other gurus, they only help you to see that. Le gourou racine et les autres gourous, ils t'aident simplement à voir ça. So they're helping you to bless yourself. Donc ils t'aident à que tu te bénisses toi-même. No, I'm joking. Non, je rigole. But a little bit, yeah. Mais c'est vrai un peu. Sometimes, before maybe we start to actually have realization for sure. Avant d'avoir des réalisations. But basically, it's also the inspiration. Mais en gros, c'est l'inspiration. It's the example. L'exemple. You know, and the influence. Et l'influence. When you are in the presence of your guru, the emanation of your guru helps you to also to evolve. Quand tu es en présence de ton gourou, l'émanation de ton gourou en fait t'aide à évoluer. So it's good to be in contact with the guru to be also close to them in their presence often. Donc c'est bien d'être en contact avec ton gourou, d'être près de lui souvent. Even if it's from far away, you know. Même si c'est de loin. Because that will influence you to also, you know, evolve and elevate your conscience. Parce que ce qui va t'influencer et élever ta conscience. Just the influence of their mind stream. C'est l'influence de leur esprit. The influence of their realization. L'influence de leur réalisation. And also the guru, when you have the connection with the guru, it's you visualize the guru is Buddha. Et quand tu as une connexion avec un gourou, tu visualises que le gourou est un Bouddha. And you believe completely. More than believe, you know. Et en fait, tu crois complètement. En fait, plus que tu crois, tu sais. That they are Buddha. Qu'ils sont Bouddha. So that is how you actually create the cause to become Buddha yourself. Et ça, c'est en fait comme ça que tu crées les causes pour devenir Bouddha toi-même. Through seeing this aspect. De voir cet aspect. Of the human. Of the human. Of the of the what? Les humains. De l'humain. De l'humain. Ah, okay. C'est human. I can't follow the idea, so I'm lost. So I'll say maybe more long. So when you know that your guru is Buddha, then you see the living example of the Buddha, and that helps you to kind of have hope and to have the motivation and to slowly to elevate yourself in order to really go towards that direction, because you know it's possible, you know it exists. Quand tu vois ton gourou comme un Bouddha, tu vois l'exemple vivant de ce que c'est qu'un Bouddha, et en fait ça va te donner l'envie, l'espoir, l'aspiration de devenir un Bouddha toi-même. Yes. C'est bien. Que tu peux y arriver toi-même. T'es content? Ok, the last subject. Last one, yes, please. J'ai une requête à vous faire. What's your requête? I have to ask you something. Comme a request. Comme vous voyagez beaucoup. Serait-il possible que vous pensiez aux personnes sourdes et demandiez à avoir des interprètes en langue des signes dans tous les pays, s'il vous plaît? Okay.
since you travel a lot, would it be possible that you think of deaf people? Huh? Deaf? People who can't deaf. Hear. Deaf. Oh. People who can't hear. Mm. And to have people who can translate what you're saying with signs wherever you go. Wow, that'd be amazing. Ça serait extraordinaire. Yeah. But actually, for everybody, it would be, you know, for His Holiness the Dalai Lama, he, I don't know if when he teaches. He has? Yeah? Right. Oh, wow. Right. Quand sa santé vient, oui, il le fait. Really Lama Sobaramuji also? Oh, so for Lama Sobaramuji, I think it's very important. Pour Lama Sobaramuji, ce serait très important, oui. For me, no, I'm just small potato, you know. Pour moi, non, je suis juste une petite patate. Un petit joueur. You know, that's why it's, we always have to be aware of other people, you know. C'est vrai, il faut toujours qu'on soit conscient des autres. The first step of joy is by being grateful to what we have. Et la première étape de la joie, c'est d'être de reconnaissant de ce que l'on a. And by being grateful, we also become empathic. Et en étant reconnaissant, on devient aussi empathique. When we are empathic, we are more aware of others. Et quand on est empathique, on est plus conscient des autres. So our suffering becomes smaller. Et nous-mêmes, on devient donc plus petit. Souffrance. J'ai pas entendu. Nos souffrances deviennent plus petites. Mm. And that is why we have to always be aware of so many people who don't have our same opportunities, you know. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit conscient de toutes les autres personnes qui n'ont pas les mêmes possibilités. So by being grateful, we also become more humble. Et en étant reconnaissant, on devient aussi plus humble. When we become humble, we become more patient and more respectful. Plus patient et plus respectueux. So remember, motivation, gratitude. Motivation et reconnaissance. And karma yoga. Et karma yoga. Okay? Okay. And then we volunteer. Et après, vous pouvez devenir bénévole. Our time, our space, our energy. Et donner votre temps, votre espace et votre énergie. Our body, speech and mind. Votre corps, parole et esprit. We dedicate. Et dédié. So now we put, like every day, we should put the good karma in the bank. Donc maintenant, on devrait mettre tout le bon karma dans la banque. Maybe nobody can steal, but we can destroy ourselves. Que personne ne peut voler, mais qu'on peut détruire nous-mêmes. Okay, so let's dedicate. Faisons une dédicace. Tendu some candela, ouais. And whatever else you want, it's fine, as you want. But wait for the microphone. Est-ce possible de faire passer les livres dorés? We do in Tibetan, and then we do in French. And then people who don't have the book listen. Donc quand ceux qui n'ont pas de livre, c'est pas grave, vous allez écouter. On va faire les dédicaces en tibétain et aussi en français. Grâce au mérite accumulé par ses actions vertueuses, puissé-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants sans exception à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né,
ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. O Tani Tawa Rinpoche, Make Panan Kegyochi, Kepa Nyampa Mepayan, Kone Gondo Perwashong. Puisse le joyau suprême de la réalisation de la vacuité naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Male joene chene zi wanten zingya tso yisha pesite bado ten gyo ching To tu chan shin chan ge gya lwe ten zin kyan per lwe kyn zi to po zi cho son kon lwe lem men to chum Pa da sol du je gen ton shab ten shong. Dans ce paradis entouré de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait et de tout bonheur. Ô tout-puissant Chenrezig Tenzin Gyatso, veuillez demeurer jusqu'à la fin du samsara. Vous qui maintenant l'attitude du conquérant et soutenant, œuvrez comme le serviteur imperturbable de toutes choses, vous qui êtes accompli par la force de vos excellentes aspirations, veuillez demeurer longtemps comme mon sauveur et celui de vos autres disciples. Page 281. Posen pese zogande tancho Ma ton a yin cho te na yin to sel Che na tu min jin pa kun le Kyom se jin yin shin ko le shi pa tsul Tup ten yin chu ge de lu song Ki lek shi u ki na zol du cha yi Mung kan tun pa se se chu ki Je je tsun la ma cho la su lwa den La pa no cho sa te cho wa La gya lwa kun le la pe chin chen je La yang san shin cho te de kru So chun la ka chin chen pe kyu sha sur Chi me tong a yon la ke pe Ge yon zin shen yen tan pa sun ten tong Kesu san pe min je lam song La chi we ta ke chen po kyu sha sur Ten pe nyen po du lwe chu sur La pa gyu chim so son tan shen to nyong
rajando gyas pata ro santeyon zoda po shapten shong sera to mahalem sampe tu chin chen la ma cho dan mi che lwa nye shin che so zin pe pu lop nan sum ki de zin ro yi ta sin shong kan kin ka chin yi ne chen shin To connut dans son gon la zepé. Tengit chèques en yotom. La la maïe d'un soumé chintotse. La mélodie du Vajra immortel. Une supplique pour demeurer immuable parmi nous, prière de longue vie pour Lama Tenzin Ösel Rinpoche. Mère enchanteresse dont la splendeur des marques et des signes rayonne comme une montagne enneigée, vous voir captive l'esprit, vous entendre calme les passions, ce souvenir de vous protège des peurs de la mort prématurée, roue qui exauce les souhaits et donne la vie, puisse tout être favorable. Maître du Dharma qui, selon les besoins variés des disciples, élucide avec clarté et éloquence la tradition sacrée de Ganden, essence des enseignements du Bouddha. Ô Maître pur et parfait, Seigneur suprême, nous adressons cette prière. Vénérable dont la bonté pour les voyageurs des contrées lointaines, surtout occidentales, surpasse celle de tous les vainqueurs, gardant en mémoire l'affection que vous nous portez, vous avez décidé de revenir dans une famille d'un pays éloigné. Ô Lama, nous vous prions de vivre longtemps. Érudit et protecteur qui détenait l'intégralité des sutras et tantras immaculés, saint ami spirituel auprès duquel notre dévotion trouve une base stable et constante. Vous qui connaissez parfaitement la manière de nous guider sur l'authentique sentier de la libération, qui fait mûrir en nous tout ce qui est noble, vertueux et sage. Ô Lama, nous vous prions de vivre longtemps. Maître qui détenait le cœur de la doctrine, vous avez traversé le vaste océan des sutras et des tantras jusqu'au lointain rivage, observé l'éthique, base de toute pratique, et respecté consciencieusement le Vinaya, cœur de l'enseignement. Ô Lama, nous vous prions de vivre longtemps. Grâce à la pureté de notre prière et de notre karma, à jamais inséparable de notre Maître suprêmement bon, puissent ces disciples immatures que nous sommes être guidés avec joie au cours de toutes les vies sans nombre. Perpétuellement satisfait par le doux nectar de votre parole sacrée. Ô Maître spirituel, déité de méditation, protecteur, bénissez-nous et aidez-nous à donner un plein sens à notre vie en nous appliquant à écouter, réfléchir et méditer de notre mieux afin de pouvoir rapidement entrer dans un âge d'or tout en nous rappelant au plus profond de notre être l'amour et la tendresse de notre précieux Maître. Puissent tous les objectifs de cette prière être accomplis. O Jetsun Lame Koze Rapten Chin Nanka Chin Le Cho Chuge Padong Lo Santen Pe De Me Sasum Gi jo we mun se tak tu ne gyo ching. Ho ton yi ni che son do jo pe lan che che se se kan chen ten de gyn. Chana pe mo ten zin gya so la se lwa de so she de lun jo shok.
Thank you so much. Thank you. And I forgot to talk about one very important thing, I think. J'ai oublié de parler d'une chose très importante. Désolé. I'll make it fast. Je vais aller vite. But I think it's very important, and that all of you, what you're doing, because tradition is very important. C'est très important tout ce que vous faites parce que la tradition est très importante. Tradition is the information and the experience, the realizations that have come from many thousands of years. Tradition, c'est l'expérience, les réalisations qui ont traversé des milliers d'années. The understanding passed from generation to generation, from realized being to realized being. La compréhension qui est passée de génération en génération, de être réalisé à être réalisé. So this information right now is called tradition. We call it tradition. Donc cette réalisation actuellement, on l'appelle tradition. So you are all helping for that the existence of this very pure form of dharma. Donc vous aidez pour la préservation de cette pure source de dharma. And with this foundation, avec cette fondation, then we can really help many sentient beings. On peut vraiment aider beaucoup d'êtres humains. So être sensible. So this is already here, the tradition. We have the tradition. Donc la tradition, elle est déjà là. So that is why we have the possibility to really branch out. Et c'est pour ça qu'on a la possibilité de vraiment faire fleurir tout ça. Branch out. D'étendre. S'étendre. Diversify. Se diversifier. So thanks to that opportunity, we can reach many more people and benefit many more people. Grâce à cette opportunité, cette occasion, nous pouvons atteindre beaucoup d'autres personnes. Without being misguided or really losing the actual nectar of dharma. Sans être mal guidé ni perdre le nectar de cette. Without getting misunderstandings or confusion. Sans avoir de confusion. We have the pure form of dharma in tradition. Et donc on a la forme pure du dharma et de la tradition. So that is why also, without us, this is very difficult for it to maintain. Donc sans nous, c'est vraiment très difficile de maintenir. The volunteers and the practitioners. Sans les pratiquants, sans les volontaires. So thank you for that, okay? Merci pour ça, merci beaucoup. Thank you. Okay, good night, sorry.